C'est chiant, hein. Et vous, ça fait qu'une minute que vous l'entendiez, hein. Dites-vous que moi, la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai passé 2 heures dans ce donjon de merde. Avec cette putain de musique qui te rentre dans la tête comme un marteau piqueur, quoi. Bref. Je vais pas faire de cut pour les combats aléatoires. Parce qu'en fait, je suis vraiment déjà trop en retard sur le let's play. J'ai envie de poster les vidéos un peu en retard, parce que franchement... Et si je m'amuse à faire des cuts, je vais prendre encore plus de retard, ça va être chiant. Donc désolé, on va se taper un épisode d'une heure. Donc voilà, le donjon le plus horrible des 4 premiers chapitres. J'espère que vous êtes prêts. Alors... Déjà, vous l'avez vu, j'ai montré la carte au début, c'est un donjon qui est gigantesque. Mais ensuite, il y a ce système des ascenseurs. Des ascenseurs dans un truc moyenâgeux, oui, c'est normal. Oh oui, c'est vrai, ces ennemis... Oh putain. Alors là, c'est la version évoluée des ennemis qui se suicident. Je vais pas mentir, si vous failez, vous risquez le game over avec ces machins. Alors, donc je disais, oui, donc en fait, il y a le système des ascenseurs. Alors en fait... Ce donjon a 2 ascenseurs. Et les ascenseurs vous mènent à des étages différents. Et chaque étage a ses propres trucs. Et vous devinez que bien évidemment faut tout fouiller. Hein. Donc voilà. Non mais vraiment cette musique. Je vous jure cette musique. Mais je l'avais dans la tête pendant des semaines après avoir fait ce donjon. Mais j'en avais trop marre. Vous avez pas idée d'à quel point... Quand vous faites ce jeu pour la première fois, vous allez passer un long moment sur ce donjon, sans compter que vous allez probablement crever parce qu'il y a pas mal d'ennemis balèzes ici. Mais voilà, c'est cette musique qui va se graver dans votre tête, mais vraiment quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment un des pires donjons du jeu, hein. C'est un des plus longs. Alors là, vous pouvez me croire. Hein. Il y a très peu de donjons qui vont être plus longs que celui-là. Bon, bref. Alors, par contre, c'est un très bon donjon pour XP, parce que quasiment tous les ennemis rapportent beaucoup d'XP. Donc, ça, c'est bien. Bon. C'est pour ça qu'on va essayer de faire un peu tous les combats, mais c'est à la fin, vers la fin du donjon, j'en ai eu trop marre, et j'ai évité tous les combats. Mais bon, on va quand même faire quasiment tous les combats aléatoires. Alors, voilà, du coup... Boum, allez. Mais vraiment, quoi, c'est... S'il y avait un donjon que je redoute dans les 3-4 premiers chapitres, c'est celui-là. Donc là, on a ça. Vous mettez une Beast Slayer si vous voulez pas vous faire chier. Puis voilà. Beast Slayer, c'est pareil que la Dragon Slayer, mais pour les monstres de type animal, comme celui-là. Donc vous avez reconnu le donjon d'un précédent donjon, enfin le boss d'un précédent donjon. Voilà, c'est juste la version évoluée. Voilà. Dégage. Tu sers à rien, mec. Si, il rapporte pas mal d'XP si je me souviens. Ah, par contre, bien sûr, quand à chaque fois vous équipez un truc de type Slayer, ne pas oublier de l'enlever après, ce serait con de le perdre. Ah mais je vous jure ce donjon va s'amuser, hein. je vous le dis. Il y aura des donjons plus labyrinthiques après, mais celui-là, il n'est pas labyrinthique, il est juste long en fait. Il est énorme, mon problème avec ce donjon c'est vraiment la musique quoi, la musique elle te rentre dans la tête, mais c'est incroyable. Mais ça va être une torture, c'est une torture cette musique, je vous jure. Bon. Alors. Du coup, ça commence bien, un cul-de-sac, voilà. Cul-de-sac avec rien. Ça sert à quoi de mettre une bestiole comme ça avec rien à l'intérieur, voilà. Ok, donc on continue par là. On tombe sur un autre ennemi. On va tous se les faire, les ennemis. Du moins, jusqu'à ce que j'en ai marre. Il y a un moment, je vais vraiment en avoir marre. Et j'ai oublié d'enlever la Beast Slayer. Je crois que je l'ai pas pété, mais j'ai du cul parce que j'avais vraiment oublié que j'avais la Beast Slayer équipée.
ce jeu c'est beaucoup de temps dans les donjons, dans les équipements de toute façon. Ouais, voilà, je m'en suis rendu compte. Là je passe mon tour. Ces ennemis sont chiants. Enfin non, pas encore, c'est leur version évoluée qui sera chiante. Pourquoi je passe mon tour là en fait, je suis con. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ouais voilà, donc là en fait je vais... Ah oui, c'est parce qu'il avait assommé les nefs et je voulais changer l'équipement. Vous pouvez changer qui est l'arme via le menu en combat comme ça. Donc là je vais remettre le Crescentaro. Voilà. Parce que je veux pas garder une arme de type Slayer, je vais pas le gâcher. Alors. Du coup voilà, donc ce donjon il y a un système d'ascenseur avec différents étages, il va tout falloir fouiller. En fait ce donjon il y a deux grosses parties. La plus grosse partie c'est les ascenseurs. Mais vraiment c'est les ascenseurs pour vous repérer, c'est chaud. Non je vais changer. Non j'ai oublié. Ah oui parce qu'en fait j'ai oublié de changer l'ordre des attaques là. Mais voilà, vous. Ce donjon, je vous jure, mais vraiment la première fois que j'ai fait ce jeu, j'ai passé 2-3 heures, j'en avais trop marre à la fin. J'en voyais plus le bout. Mais honnêtement, cet épisode ne va pas contenir tout le donjon. Parce que vraiment, au bout d'un moment, j'en ai marre. Oui, je dis que ça contient pas tout le donjon. Et vous voyez que l'épisode fait une heure. ça vous donne une idée, quoi. Non, pour être honnête, la prochaine vidéo, ce sera juste le boss, en fait. Fort heureusement, on n'a pas besoin de faire un aller-retour, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire le retour pour sortir. Dès qu'on arrive à la fin, on aura la cinématique, on aura le boss, on aura la cinématique. Et on sera expulsé du donjon, voilà. Pas d'artefact, pas d'XP, event, rien du tout. Bon, bref. Du coup, on se fait piège. Ok. Voilà, donc on a mis ce truc. Sachant qu'on peut rencontrer des dragons zombies ici. Si vous rencontrez des dragons zombies, faites attention parce qu'ils sont très forts. Mais par contre, ils rapportent beaucoup d'XP et on peut leur dropper un objet qui m'intéresse. Qu'est-ce que je fais? Non, Triblast en premier. Oui, il y a des fois, je suis vraiment con. Voilà, Triblast en premier, Triblast en counter. Bref, donc voilà, du coup, on continue. Encore un des ennemis, il y a des coffres derrière. Yostisebia. Ils sont bien résistants. C'est... Voilà. Ils sont vraiment bien résistants, c'est vrai. Au passage, ceux-là, ils sont de type dragon, donc si vous voulez pas perdre de temps, vous mettez Dragon Slayer, et puis voilà. Voilà, stone. Là, je l'ai stoné. Avec quoi je l'ai stoné? Là, pour le coup, je me pose la question. Ah, c'est parce que je dois avoir la... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai récupéré la spire basilique avec l'offer. Faut savoir que stone, contrairement au Final Fantasy, ça... Ça considère pas qu'un game over. Ça considère pas un game over et en fait vous en guérissez automatiquement au bout d'un certain temps. Comme toutes les altérations de ce jeu. Par contre, dans Valkyrie Frost Silmaria, si tous vos persos sont pétrifiés, paralysés ou gelés, le jeu considère ça comme un game over. Ce qui est très chiant d'ailleurs. Alors, par contre, il y a une altération dans ce jeu que j'ai jamais compris c'est quoi l'effet. C'est l'altération Curse. Il y a très peu d'ennemis qui la font. Je crois qu'on n'a aucune attaque qui l'a fait. Mais il existe une altération qui s'appelle Curse dans ce jeu et je n'ai jamais compris à quoi servait cette altération. Bref. Donc, du coup, on a récupéré une armure. Autant les drops d'armes, on s'en branle, autant les drops d'armure. Voilà. Bon, elle est pareille que l'armure que j'ai actuellement en fait. Donc, il y a juste Defend Trust qui est plus élevé. Il y a des stats que je sais pas trop à quoi ça sert, Defend Trust, je sais pas trop à quoi ça sert. Je suppose que c'est l'esquive ou la parade. Ouais, je vais mettre Loranta. Parce que, comme je le disais, en fait, ce qui est bien avec Loranta, c'est qu'elle a direct. Ouais, elle a Mystic Cross. Mystic Cross, c'est une excellente magie. C'est une magie de lumière, il y a beaucoup d'ennemis dans le jeu qui sont vulnérables à la lumière.
Voilà. C'est vraiment la seule raison pour laquelle je prends le Ranta ici. Quoique. Ah non, c'est juste pour montrer qu'elle est mixée cross, mais je vais garder Yume. Mais voilà, en temps normal, je vous conseillerais de prendre le Ranta. Ah non, non, je vais prendre le Ranta, je vais juste enlever les équipements de Yume, c'est vrai. Donc du coup. C'est vraiment la seule raison pour laquelle on prend le Ranta. Hein. S'il n'y avait pas son Mystic Cross, on se foutrait de le Ranta. Alors. Donc on va lui équiper. Dragon Bane, Tiara. Mirage. Extreme Guard. Voilà, on lui équipe tout. On lui donne bracelet de Zoé, voilà, une necklace. Voilà, on va lui augmenter sur le tas parce que j'ai eu la flemme de lui donner des Event XP. Alors, oh putain. Je les aime pas ceux-là. Je pense que vous avez dû comprendre avec le temps, mais vraiment je les aime pas. Eux, s'ils nous explosent à la gueule, c'est la merde. Bon là ça va, ils stunnent. Ouais. En plus, là quand vous avez cette formation-là, c'est dégueulasse parce que si vous tuez le dragon en premier... en fait, ces dragons-là, c'est, je sais pas si j'ai expliqué, mais ces dragons-là, ils ont une mécanique, en fait, c'est quand ils meurent, ils vont faire une technique qui s'appelle Possess, et ça va régénérer tous les PV de l'ennemi ciblé, et ça va le rendre beaucoup plus fort. Donc, en fait, ces dragons-là, vous voulez les tuer en dernier quand il y a plusieurs ennemis. Donc voilà, mais là c'est une formation dégueulasse en fait. Hein. C'est une formation dégueulasse parce que si vous tuez le dragon, le machin qui se suicide va être encore plus puissant. Et autant dire que s'il est possédé et qu'il vous explose à la gueule, c'est le game over. Voilà, nice contre. Voilà, et si vous faites pas assez de dégâts sur le machin explosif, il va vous péter à la gueule et voilà. Il y a pire comme formation. Ok. On accélère un peu les Purifier Soul. C'est une bonne amélioration de Valkyrie Fastimaya. C'est qu'en Valkyrie Fastimaya, on peut les passer les attaques spéciales. Parce que franchement, c'est chiant de voir tout le temps se les mater. Bon. Tu vas crever, oui. Voilà. L'autre, elle s'amuse avec son sceptre volant. Là. Enfin, bref. Donc voilà, du coup, on va lui apprendre quelques compétences, on va lui apprendre Wait Reaction, on va booster sa magie, là, très important, Magic Pow, on va juste lui mettre Wait Reaction, voilà, Wait Reaction c'est juste bien parce que ça brise la garde, c'est tout, ça brise la garde, ça peut pas être esquivé, c'est bien en début de jeu, après on aura des trucs meilleurs. Book of Everlasting Life, on s'en fout, ça sert à rien. Du coup, on continue. Ah oui, non, mais c'est un labyrinthe. Hein. Là, vous voyez, du coup, cet étage, il n'y avait rien. Donc, du coup, je dois retourner à l'ascenseur pour aller au prochain étage avec l'ascenseur. Mais voilà, c'est du va-et-vient, ce donjon. C'est quoi, c'est... Mais il y aura un donjon encore pire dans le chapitre 7, hein, mais voilà. Vraiment, attendez le chapitre 7. Si vous trouvez que ce donjon déjà est horrible, il est horrible. Mais alors, le donjon dont je parle du chapitre 7, croyez-moi, waouh, j'en ai fait des cauchemars. Bon, mais on en parlera quand on y sera. Voilà. Alors, ah, mais pour le coup, j'aime bien les donjons de ce jeu. Mais bon, faut avouer, quand ils sont longs, ils sont longs. Hein. J'ai pas compris pourquoi l'ennemi était tout petit là. C'est un bug. Donc, si je leur fais un... Mystic Cross, vous pouvez le lancer sur tout le monde aussi. Voilà, comme ça. Bon, je crois pas qu'elle ait une magie assez élevée pour l'instant. Voilà, c'est chaud quand il part. Voilà. Oh, ces mages sont casse-couilles. Ils mettent longtemps à attaquer. Là, j'ai encore un bug d'émulateur, ça fait chier. Ah, vraiment, j'ai été con, j'aurais dû passer à EPSXE tout de suite. Hein. Bon. Voilà, du coup, c'est mage à la con.
Joli, quoi. Comment tu peux parer une flèche explosive, quoi. Bon, bref. First aid. First aid, c'est bien comme technique. Hein. Vous l'avez remarqué, mais ça sert quand même pas mal. C'est pas aussi cheaté qu'auto item, mais bon. C'est utile, quoi. Ok, donc voilà, on se fait du level up. En plus, le rental est niveau 1, donc croyez-moi qu'elle va en gagner du level. Hein. Là, on continue à booster sa magie. Voilà. Maintenant, on va lui booster ses PV un peu. Voilà. Ah oui, si elle peut-être pas beaucoup de dégâts, c'est parce qu'elle a. Voilà, elle a pas le Magic Bungle. Donc, du coup. Voilà. 180 points. Mais augmenter les techniques, une fois que vous avez appris toutes les techniques qui augmentent les statistiques, ça sert à vraiment à rien. Surtout pour les nefs, parce que les nefs, on va jamais, on peut pas l'envoyer, donc je sais pas pourquoi ils ont mis les techniques pour envoyer les énergars. Enfin, surtout celles qui augmentent pas les stats, quoi, ça n'a aucun intérêt. L'offer, il va très vite tout apprendre, croyez-moi. Donc du coup, voilà, Identify. On lui apprend tout pour faire bien. Bon, de toute façon, l'offer, c'est le meilleur énergeur combattant du jeu. Hein. Vraiment, c'est le meilleur perso que vous pouvez récupérer dans le scénario. Enfin, pour moi. Mais voilà. C'est un très bon perso. D'ailleurs, je vais pas m'en séparer de tout le let's play. C'est le seul perso qui va rester là pendant tout le let's play. Hormis les nefs. En même temps, ce serait vraiment con de se séparer de lui, vu comment il est pété. Voilà, donc on lui augmente un peu ses trucs à Janus. Ok. Donc, on continue. On descend, on continue à fouiller, ça s'arrête pas. Ah mais ce donjon il est immense. Hein. Je crois que je suis en train de tourner en rond en fait. Ouais c'est ça. Là en fait c'est dégueulasse. C'est juste... En fait là tu tournes en rond, ça sert à rien en fait. Cet étage il sert à rien. Il y en a plein comme ça des étages qui servent à rien, qui sont juste là pour te faire perdre du temps. Ah non mais vraiment, ils voulaient vraiment te casser les couilles quand ils ont fait ce donjon, c'est incroyable. Donc du coup, voilà. Donc là on est revenu au tout début, donc ça veut dire qu'on a tout fait avec cet ascenseur là. Ah quoi que non. Attends. Si on a tout fait avec cet ascenseur là, en fait après c'est un autre ascenseur qu'il faut. Et en fait il y a trois ascenseurs. Donc, et il y en a un qu'il faut attendre après. Donc du coup, on va prendre cet ascenseur là maintenant. Avec un ennemi à l'intérieur. Alors par contre, il y a un bug dans les ascenseurs. Quand vous êtes dans les ascenseurs, vos photons ne marchent pas. C'est impossible de geler les ennemis. Allez savoir pourquoi. Alors... Du coup, celui qui veut faire tout ou le jeu sans combat, bah, bonne chance. Alors ça c'est une formation dégueulasse, là t'as deux Dragon Tooth Warrior. Donc évidemment t'en tues un, l'autre sera plus puissant. Voilà, Mystic Cross. Ouais, ça fait pas mal l'empêche. Hein. En fait quand vous lancez un sort avec un Purifier Soul sans grande magie, vous lancez le sort genre 3 fois de suite en fait. Du coup voilà une magie qui fait 4 coups, elle en fera 12 quoi. La plus forte magie en utilisée comme ça, c'est Prismatic Missile, parce que vous faites plein de coups avec Prismatic Missile du coup. Voilà, donc la possesse, donc ce machin est plus puissant en fait. Et plus résistant. Voilà. De toute façon, voilà, en fait les meilleures magies c'est ça. Pour la grande magie, c'est Mystic Cross. Pour les sorts simples, c'est Poison Blow. Et pour utiliser en Purify War Soul sans avoir de grande magie, bah, c'est Prismatic Missile.
Par contre, il faudrait prismatic missile, ça vous bouffe énormément de CT. Alors. Ah, on va aller vite. En plus, il m'attend, il est stoné. Donc, bon. Vraiment aller vite. Nibelung Valesti en archer, ça restaure plein de points. La jauge spéciale. C'est génial. Alors, en plus, il est chiant parce qu'il est plus résistant. On attaque. Voilà, le stone dure 2 tours. Voilà, c'est. Pas besoin de faire des purify ou soul de plus long pour les nécessaires. Oh. Ah, mais ce donjon, je vous jure. Mais là, on va y passer un moment. Là, là je vois qu'on est qu'à 22 minutes. Il reste. La vidéo fait 1h03. Ah, mais vraiment, on va y passer un bon moment. Là, un pur plaisir. Du coup, on va continuer à booster les PV, je crois. Ou alors, je vais booster défendre. Je sais plus. Oh, je sais plus, honnêtement. De toute façon, en plus, on s'en fout de Lorenta, vraiment. C'est juste pour parce qu'elle a le Mystic Cross, quoi. Mais dès le chapitre 5, on va récupérer un perso qui a Mystic Cross et que je préfère. Donc, donc là, voilà, c'est juste des coffres. Ouch. Alors, par contre, un truc de salopard, c'est que... Ouais, voilà, ce coffre-là, faites gaffe. Hein, parce que si vous faites prendre dans l'explosion, ça va vous projeter dans l'ascenseur, en fait. Ouais, tout ça pour un Eye of Even en plus. De toute façon, ils aiment bien ça, placer ce coffre explosif là dans des endroits où ça fait chier. Il y aura un donjon qui sera entièrement comme ça tout à l'heure. Vers la fin du jeu. Voilà. Les dragons zombies. Alors j'ai pas utilisé Dragon Slayer tout de suite. En fait, je vais dropper un objet et le système de drop dans ce jeu il est un peu particulier. C'est en fait pour dropper. Mystic Cross, voilà. Pour dropper, il faut que vous tapiez et voilà, il y a un coffre qui apparaît. Voilà. Donc là, j'ai droppé l'objet. Maintenant, il faut que je tue le monstre pour gagner l'objet. C'est un système de drop un peu spécial. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que je l'ai empoisonné, du coup. Alors là, du coup, je vais équiper la Dragon Slayer à l'NF. Voilà. J'ai ressuscité Janus avec l'offer. Par contre, les dragons zombies font très mal dans cette tour, donc faites attention. Surtout avec des trucs comme ça, voilà, 7000 dans ta gueule, voilà. Mais bon, c'est pas grave, t'as la Dragon Slayer, voilà. Dragon Slayer, tu les massacres. Voilà. Ah, mais vraiment, la Dragon Slayer, c'est le meilleur moyen de les tuer, ces dragons zombies, sinon ils sont super chiants. Donc voilà, Broken Spear, voilà. Broken Spear, c'est un objet de merde, mais qu'on peut transformer en un autre objet super génial. Un autre objet complètement pété, mais bon, ça sera vers la fin de donjon. Vous allez voir, je vous ai dit qu'on allait péter le jeu pour les 2 prochains chapitres. En fait, avec la Broken Spear, on va carrément péter le jeu pour tout le jeu quasiment, pour tout le scénario. Vous verrez bien, pas d'enlever la Dragon Slayer, sans pas la perdre comme un con. Mais déjà arrivé en plus de perdre ma Dragon Slayer comme un con parce que j'ai oublié de l'enlever. J'aurais peut-être dû soigner là. J'ai vérifié que les techniques étaient bien mises. Voilà. Donc, du coup, encore des ennemis. Je regarde. Ok. Donc, en fait, là, je suis dans un endroit que j'ai déjà exploré, je crois. Ok. Donc, là. Hop, splash. Que j'ai déjà, donc je m'en fous. C'est vraiment des professionnels de donner des trucs qu'on a déjà dans ce jeu, c'est incroyable. Donc bref, voilà, donc come to me, my... Voilà. Ah, donc, on va faire un petit heal, parce que voilà. Un guard crush. Crève. Ouais, j'utilise le turbo parce que ça n'a pas fini. Hein.
mais vraiment, vous avez un émulateur, n'hésitez pas à utiliser le turbo, hein, franchement, c'est ce donjon, franchement. Il est déjà assez long comme ça, ce donjon, on va pas en rajouter une couche. Ok, donc, attends, même pas la moitié encore. Mais vraiment, quoi. Tout ça pour un obsédé en plus, c'est incroyable. Alors, continue, on a encore des ennemis. On a encore Dragon Tooth Warrior. Voilà. C'est une merde là qui sert à rien. Voilà. Enfin, vraiment, je devrais peut-être apprendre le Sapgard à Lorenta. J'aurais peut-être dû faire ça. Je suis vraiment con de pas l'avoir fait d'ailleurs. Voilà. Donc, de toute façon, on lui bourre la gueule. Okay. On va pas le tuer parce qu'il a trop. Que... Non. Non, on l'a pas tué, dommage. Je crois qu'il va mourir du poison en fait. Ouais, c'est ça, il meurt du poison. Ça va, le poison est pas aussi pété que dans. Dans FF13. Dans FF13, le poison c'est complètement cheaté. Les altérations sont complètement cheatées. Enfin bref. Donc, on continue à pas augmenter très déjà. Même si après ce donjon là, Janus, on va plus s'en servir. Donc, voilà. C'est vraiment un donjon long. Mais genre vraiment long. Mais vraiment, je vous laisse imaginer la première fois que j'ai fait ce donjon. Le pire, c'est que la première fois que j'ai fait ce donjon, j'ai fait un game over dans la deuxième partie. Alors j'étais presque boss. Ah, je vous dis pas comment ça m'a énervé, sérieux. Je crois que j'ai rage quit à ce moment-là, j'ai laissé tomber le jeu pendant 2-3 jours. Non, carrément, tellement ça m'a fait chier. Mais vraiment, c'est les ennemis de ce donjon, c'est facile de faire un game over contre eux là. Surtout ces enfoirés qui se suicident. Quoi. Branle. Vraiment. Mystique crotte, allez. Hein. On récupère ça. Bon. Allez. Ouais. Encore un de moins. C'est bien quoi, quand les nefs peut contrer comme ça, il fait pas mal de dégâts en contre. Ça fait gagner du temps. Ok. Voilà. De toute façon, le temps. Le but dans ce jeu, c'est. Ah bah tiens, quand on parlait du Yu, voilà. Quand on parle du salaud, bah le voilà. En plus, 2 pour le prix là. Ah, mais vraiment quoi. En plus, quand il vous attaque comme ça là. Avec l'électro-touch là, ils peuvent vous infliger paralysie, c'est super casse-couille. Du coup, je crois que je vais tuer le. Oula, je crois que j'ai fait une erreur. Parce que l'autre il a plus que la moitié de ses PV, je crois qu'il va se suicider. Ouais, bah voilà, putain. Voilà. 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 Vous imaginez s'il était possédé après que vous ayez tué un Dragon Tooth Warrior? Ouais, non, là, c'était vraiment une erreur con de ma part. Ça aurait pu être un fail, honnêtement. Là. Fou, mais Janus. Janus, il a survécu avec 150 PV, quoi. Le survivor. J'adore Lorenta, son bâton qui continue à voler malgré qu'elle soit morte. C'est classe. Même mort, je continue à faire flotter mon bâton. Bon, putain. Bon,
Alors, on se remet le Power Bangles. Mais le pire, c'est qu'en plus, quand ils explosent, ils gagnent pas d'XP, quoi. Les... C'est vraiment une arnaque complète, quoi. Ah la vache. Ah non, mais voilà, c'est encore pire que le kamikaze dans des succubes dans les Final Fantasy. Hein. Parce qu'au moins, le kamikaze des succubes dans Final Fantasy, il touche qu'un seul perso. Non, là, c'est toute ton équipe qui bouffe. Heureusement qu'il n'y en a plus après. Après ce donjon, je crois qu'il n'y en a plus du tout des monstres comme ça, heureusement. Putain, ça m'aura vraiment cassé la tête. Ok. Voilà. On va encore se taper ce machin. Hein. Petit Abyss Slayer, c'est fou parce que voilà. En fait, le dragon zombie utilise Dragon Slayer parce que l'ennemi en lui-même est super choc, a une grosse défense. Mais pour ces ennemis-là, franchement, pas besoin d'une Slayer. Voilà. Broken Blade aussi, c'est bien ça. Broken Blade aussi, on en veut. Et ça aussi, c'est bien. Croyez-moi, ces objets ont l'air inutiles quand vous les voyez. Mais... En fait, ils vont vous permettre de péter le jeu après. Bon. On n'y est pas encore. Alors, du coup, voilà, donc on prend First Aid, on commence à lui prendre Cure Condition. On lui met First Aid. On lui met pas encore Cure Condition parce que ça sert à rien de lui mettre Cure Condition maintenant. Ok, donc maintenant, on se fait avoir comme une grosse merde. On récupère ce truc qui sert à rien. Et ce truc qui sert à rien non plus parce que comme je l'ai dit, les magies de glace sont moyennes, au mieux. Non mais vraiment, s'il y a un élément qui s'est fait enfler dans ce jeu, c'est la glace. Avec la terre. Parce que le stone torch, c'est vraiment à chier. Je l'ai pas dit, mais pour ce qui est de l'élément tonnerre, l'élément tonnerre est pas mal. Le prismatic missile est vraiment efficace et lightning bolt aussi est pas mal. Alors, en plus, ils ont des bonnes magies correctes. Mais bon, par rapport à la lumière, voilà. Et les ténèbres, ils ont... Alors les ténèbres, c'est bien parce qu'ils ont les deux, quoi. Ils ont Shadow Servant. Shadow Servant, c'est un sort qui est très puissant. Et en plus, qui donne accès à l'une des trois meilleures grandes magies du jeu. Tandis que Dark Savior, c'est un sort qui est pas trop mauvais. En fait, Shadow Servant et Dark Savior, c'est à peu près du même niveau des dégâts en eux-mêmes. Par contre, la grande magie avec... La grande magie avec Dark Savior, elle est carrément moins bien que celle de Shadow Servant. Voilà. Ouais, en fait, là, je me suis un peu paumé. J'ai oublié par où fallait aller. Ah oui, non, mais quand je vous dis que c'est un labyrinthe, hein, c'est cette année d'ascenseur, quoi. Quand je vous dis que ce donjon est énorme. Mais bon, là, je crois qu'on va bientôt atteindre la deuxième partie. Donc là, non, je vais pas arrêter au premier. Je vais arrêter au deuxième. Voilà. Ok, oui d'ailleurs j'avais utilisé le turbo je crois. Ah non mais vraiment, ce donjon est déjà assez pénible comme ça, alors vraiment utilisez le turbo, n'hésitez pas si vous voulez sur émulateur. Vraiment épargnez-vous des souffrances inutiles. Et surtout épargnez-vous d'avoir une musique dans la tête pendant des semaines. Bon, non parce que vraiment cette musique quoi, cette putain de musique. Je vous jure, cette musique elle me donne... Et quand je joue à ce jeu et que je fais ce donjon, cette musique elle me donne mal à la tête au bout d'un moment. Voilà, encore l'ascenseur buggé, donc voilà. Les ascenseurs sont buggés, ça m'énerve. Voilà, voilà, on a un nouveau ce connard. Fatal Glimmer. Fatal Fucker, oui. Bon, je crois qu'il me suicide à la gueule celui-là. Mais qu'est-ce que je... Mais je suis con. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que je suis con. Mais mon dieu. Oh mon dieu. Mais là je viens de voir, mais je suis complètement con. Mais... Ah non, c'est parce que... Ah d'accord. Ah oui, non, c'est bon. Oh non, j'ai vraiment eu peur d'avoir fait le con là, mais... Non, en fait, c'est parce que là, le machin explosif, il était en ligne arrière, en fait. Et quand il est en ligne arrière, il peut pas se suicider sur vous, parce que son attaque suicide, c'est une attaque qui peut faire que s'il est en ligne avant. Donc non, en fait, c'est bon. Et la raison pour laquelle Lofer pouvait pas attaquer, c'est justement parce qu'il était en ligne arrière. Et comme mes autres persos, c'est des mages et des archers, bah, ils peuvent attaquer à distance. Non, c'est normal, en fait. Tout baigne. Mon dieu.
Vraiment cru que j'étais con là. Ouais, on va lui faire un sap garde. Voir si ça fait une différence. Mais cette attaque de Lofer, c'est sa seule attaque qui est vraiment pourrie là. L'attaque où il essaie d'attirer les lignes vers lui. C'est vraiment sa seule attaque pourrie quoi. Alors, Mystic Crot. Ah oui, ça c'est quand même beaucoup mieux quand on fait un sap garde. Hein. Voilà. Je récupère pas mal de cristaux en plus. Même si après je vais mettre un autre perso qui permet d'avoir pas mal de cristaux. Enfin, vers la fin du jeu, je vais faire pleuvoir les cristaux, honnêtement. J'ai jamais autant fait pleuvoir les cristaux de ma vie. Donc du coup. Ouais, donc il va bientôt level up. Donc on va remettre le power bangle sur les nefs. Avec les morales nickelées sur Janus. Alors. Voilà. Alors Anta, c'est pareil. Clodanta, elle continue à faire son level up de son côté. Alors, du coup, voilà. Généralement, quand il y a un truc qui descend, niveau, allez, dans l'autre sens. Encore un dragon zombie. Non, pardon, deux dragons zombies. Alors là, quand vous avez deux dragons zombies, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux, là. Du coup... Donc voilà, une autre technique pour battre un dragon zombie, c'est de lui faire un sauvegarde. Comme ça, vous faites des dégâts normaux. Je crois que je l'avais déjà dit, en fait, dans un précédent épisode. Je préfère le redire, c'est plus simple, hein. Ok. Là, on va lui maraver la gueule. Merci les bugs d'émulateur. Non, vraiment, si j'avais su, je serais passé à PSX tout de suite. Hein. Voilà. Alors, du coup... En plus, il a poison, c'est excellent. Non, mais voilà, quoi. Une fois qu'ils ont ça de garde, ça passe. C'est pas compliqué. En plus, j'ai récupéré une deuxième Broken Spear, mais si j'en ai besoin que d'une seule. Voilà. On met le turbo, parce que voilà... Il n'y a pas que ça à faire. Ok. Et surtout cette attaque de merde là. Cette tête de merde elle fait bien mal. Elle me casse les couilles. Plus des fois il la spam, ça m'énerve. Je préfère encore qu'il fasse un truc genre Shadow Servant ou une connerie du genre. Je crois qu'il y a un combat dragon zombie où j'ai dû fuir un moment. Donc voilà, donc là on ressuscite la vieille. On va équiper la Dragon Slayer. Parce que là, Lorenta peut pas faire sauvegarde. Ah, mais si je suis con, je crois qu'elle peut faire sauvegarde. Ah, oui, non, mais faut encore qu'elle puisse agir en fait. Donc, c'est. J'ai raison. Alors, on utilise un petit élixir. Sauf qu'il spamme ça, donc elle va recrever. D'ailleurs, Janus aussi va crever. C'est génial. Ça sent le fail. ça pue le fail là. Du coup, je vais pas perdre mon temps à les rester tous les deux. Parce que là, en fait, s'il refait cette attaque de merde, tous mes persos vont crever, donc vaut mieux le tuer tout de suite. Ah, j'ai de la chance qu'il est pas pareil, n'empêche. Ou qu'il est pas esquivé. Ouais, non, voilà, les dragons zombies, c'est vraiment pète couille. Hein. Donc ensuite... Bon, déjà, on va assister la grognasse. Là, on va rééquiper Lorraine et le Cresseur Hero. Mais voilà. L'Union de Plume, Elixir, le classique, voilà. On va continuer. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Du coup, donc là, on récupère ce coffre qui contient des Teaching of Asa, on s'en branle. Je compte plus. On devrait faire un compteur du nombre de fois que je dis qu'on s'en fout ou qu'on truc du genre. Bref, donc voilà. Donc là, on est dans la deuxième partie. Alors, on a mis 40 minutes pour la première partie. Hein. La première partie est plus longue, je vous rassure. Donc, du coup, la deuxième partie va être un peu plus courte. Donc, déjà, on va se taper ce monstre. Cette gentille bête. Très gentille. C'est pas du tout un casse-couille. Non, pour le coup, c'est pas du tout un casse-couille. Bref, donc du coup, on va se taper cette bébête. Oh, bête. Donc, voilà. On lui casse la figure. On lui explose la gueule. Voilà. On lui a plutôt tortadodé la gueule. Bon.
Bref, les charbons des démons. Ok, donc on continue. On continue. Ouais, ok, skill, équipement. Allez, on peut s'en fout. Allez, on lui manque le power condition. De toute façon, le renta, à partir du prochain chapitre, on s'en servira plus. Hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment Mystic Cross. C'est la seule raison pour laquelle on s'en sert. Du coup. Deuxième partie qui a par contre des ennemis plus chiants que. Qui a par contre beaucoup plus d'ennemis. Il me semble qu'il y a un point de sauvegarde ici. Non, c'est ailleurs. Donc du coup, alors là en fait ce qu'il faut faire. Il faut trouver des. Encore ces connards. Ok, donc oui, donc ce que je disais là en fait, il va falloir trouver des espèces d'interrupteurs qui permettent d'activer des sauts de téléportation. C'est. Voilà, et en fait ils sont cachés dans cette map. Vraiment, ne les laissez jamais en vie ces machins. Jamais. Butez-les, quoi. Vraiment, si vous les voyez, butez-les. Bon, ne leur laissez pas la moindre chance de faire quoi que ce soit. Ok, donc. Se faire foutre. J'ai pas contré. Bon. Oh la vache. Ah mais vraiment ce donjon c'est. Croyez-moi ça va être libération quand je l'ai fini. Quand je le finis c'est toujours libération, hein, sérieux. Bon bref. Du coup. Là, on va éviter les ennemis parce que quand ça me saoule. Non mais vraiment. Au bout d'un moment vous en avez marre, quoi. Vous avez envie de vous casser de ce donjon. Casser de cette musique à la con qui vous rentre dans la tête. Ok, donc là, derrière il y a le premier switch. Le premier interrupteur. Ok, donc voilà, Mystic Cross. On lui casse la gueule. Allez, un petit coup de turbo pour aller plus vite. Ok. Voilà, donc ça c'est fait. Bon. Ah, par contre, faire ce donjon, ça level up bien. Si vraiment vous êtes under level, moi je vous conseille de refaire ce donjon deux ou trois fois. Et croyez-moi, vous allez plus être under level. Là, vous frappez ce machin. Ça l'active. Allez savoir pourquoi ça le casse pas, mais ça l'active. Voilà, vous gagnez 12 000 et 20 XP. Vous avez activé un téléporteur quelque part. Maintenant, à vous de savoir où. Bon, là, j'ai pas trop le choix, sinon il m'aurait pris par surprise. Fucker. Donc. Ils sont chiants. Bug d'émulateur encore. Et vraiment, il va falloir que. Avant, je suis vraiment con. Pas être passé au PSX. Alors. Du coup, on bute ces connards. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Hein. Alors là, j'adore comment il a whiffé, quoi. C'est incroyable. Ça arrive des fois. Des fois, ça arrive. Tu vois ton ennemi, l'ennemi qui attaque, il tape complètement à côté. Mais c'est même pas que mon perso il a esquivé là, c'est juste qu'il a tapé à côté, quoi. Ça arrive. C'est un RPG au tour par tour, mais ça peut arriver. Allez savoir comment, mais ça peut arriver. Mais bon, de toute façon, ça m'arrange quand ça arrive. Mais c'est très rare. Hein. Ah, donc Mystic Cross, et voilà. Ok. Arrêtez de nous donner des sorts pourris. J'ai déjà dit Stone Torch, c'est un sort de merde. Là, par contre. Ça, c'est dégueulasse. Les ennemis. Oula. Oh, c'est vraiment un pattern. Oh là là. Oh, c'est vraiment un setup dégueulasse. Vous avez trois sorciers et un Dragon Tooth derrière. Bon, ça, tant que le Dragon Tooth. Tant qu'on n'a pas tué deux sorciers, le Dragon Tooth peut pas agir. On peut se dire en plus qu'il partout. Ouais. Ça m'amuse comment un sorcier arrive à bien paraître. Paye ton bug d'émulateur again. Je crois que le sorcier derrière il a agi, mais j'ai même pas vu quoi du coup.
On s'en fout. Du moment qu'on n'est pas mort, on s'en fout. Du coup, voilà, on bute cet enfoiré. Parce que comme je l'ai dit... il faut buter... quand il y a un Dragon Tooth, faut buter les autres avant Dragon Tooth. Ok. Allez. Ah mais ils sont vraiment résistants, c'est pareil. C'est surtout que j'ai des armes de... En fait, je peux pas dire que j'ai des armes de merde, j'ai des armes de... J'ai des armes de ce chapitre, quoi. Mais... En comparaison de ce que je vais avoir bientôt, vous allez voir que ce que j'ai, c'est vraiment de la merde. Enfin. Voilà, donc on gagne des trucs. On gagne des trucs pas intéressants. Du coup, téléporte-toi et dégage. Ah non, je l'attaque. Si j'avais été dans la mentalité que j'ai maintenant, je l'aurais esquivé. J'aurais même pas à chercher. Ces machins, je les aime pas. Plus on peut se faire troller par la RNG contre ces machins. Ok, voilà, tu dégages. Ouais, Lightning Bolt, ça fait pas mal de dégâts. Alors... Parce que... Ouf... Moi, c'est pas grave, je l'ai stonné. C'est bon, je l'ai stonné. Vous avez stonné ce connard, c'est bon. Ok, donc... On va buter ce mage. Ah, putain. Ah mais c'est vraiment un donjon pénible, hein. C'est un donjon interminable, mais... Ah mais ça c'est la... En fait ça c'est l'introduction au donjon interminable des... du jeu, c'est... A partir de là, tous les donjons du mode art, ça va être des donjons on casse-couille... Enfin, pas casse-couille, ils sont bien en fait. Je dis tout le temps casse-couille, mais en fait ils sont bien en fait. Hein. C'est vraiment un point fort du jeu les donjons, je le redis, mais... C'est vraiment que c'est long, quoi, ils sont longs. Ils sont très longs. Comme je disais, le plus dur dans ce jeu, c'est vraiment pas les combats, c'est l'exploration. C'est l'exploration, les phases de plateforme. Ok, donc... là, en fait, je vais chercher le deuxième interrupteur, si je le trouve. Je crois que... Là... on va pas y aller tout de suite, parce que je vois qu'il y a ces connards qui nous foncent dessus. On va éviter. C'est con qu'en fait la mécanique de Valkyrie Profile n'existait pas déjà encore, voilà. Et voilà, ça c'est un truc typique, on te met un ennemi juste à côté de toi dès que tu rentres. Ok, alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse, donc là faut attaquer le mec derrière. Donc là l'Alpha il peut pas attaquer par contre, ça c'est chiant. Alors, ça c'est dégueulasse, parce que si votre... Si vous tuez les deux Dragon Tooth en premier, il est très possible que le Dragon Tooth vous possédez le machin derrière. Et ça va le rendre encore plus puissant. Donc voilà. Et plus résistant, évidemment. Donc voilà, non. Du coup, je suis trop obligé de me taper ces deux-là. Ils font assez mal. Hein. Ouais. Counter combo dans ta gueule. Ok, alors, on va se mettre à faire. On va se... Ah mais vraiment c'est des ennemis très résistants, c'est... Mais vraiment quand vous tombez sur ce setup dégueulasse, bah, vous tuez le machin derrière quoi, c'est... Là par contre c'est dégueulasse parce qu'il m'a... Ils m'ont assommé mes deux persos. Ce qui est chiant c'est qu'ils peuvent assommer les deux quoi. Ils peuvent tous les deux assommer. Et c'est super chiant. Assommer dans le jeu, c'est vraiment chiant comme altération. Autant dans le 2, c'est une altération quasi anecdotique. Autant là, c'est vraiment chiant. Bref, For my honor, voilà. En fait, je dis archer, mais c'est plutôt un arbalétier. Moi. Le jeu qu'on cherche un archer. Donc, bon. Justice Stream. Ah oh mais vraiment.
Bon. Ah bon, vraiment, c'est... Ah, ce donjon, il a quand même des... Ce donjon, il a des combats qui sont vachement chauds, au stade du jeu, quand même. C'est pas des monstres de fiottes. Hein. Bon. Voilà, maintenant, ce connard est plus résistant et plus fort. Voilà, du coup, Janus lui fait quasiment rien. C'est génial. Bon, par contre, il l'empoisonne, ça, c'est cool. Je crois que ça augmente sa HP max, en fait, parce que je vois qu'il prend plus de dégâts du poison. Peut-être. Enfin bref, donc un petit sapgar pour gagner un peu de temps. Puis on lui boit la gueule. On lui boit. Ce qu'il y a avec Janus, c'est que son attaque, sa troisième attaque, elle donne 50 points directement. C'est vraiment excellent ça. Allez, voilà, le Just Swim. Ah, c'est génial, il est stunné. Il est stunné et empoisonné. Donc du coup, ça c'est cool. Voilà. Voilà, tu dégages. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la merde. Un Shadow Servant, ça peut être bien, à la limite. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis dans ce jeu qui sont résistants. Derrière, là, c'est le deuxième switch. Aussi, c'est vrai que je l'ai pas souvent fait. Mais si vous avez vraiment pas envie de vous faire chier avec les combats, ce que vous pouvez faire, c'est fuir. Et quand vous fuyez, l'ennemi disparaît quand même, malgré que vous ne l'ayez pas battu. Donc du coup, voilà, ça c'est toujours bon à savoir. La pince, ça le garde. On va lui rentrer dedans comme il faut. Voilà. Petit Nibelung Val ici. Et adios. Mais... Voilà, dégage. Casse-toi. Ouais. Bon, les dragons zombies quoi. Je crois que c'est. Non, il y aura d'autres donjons, on en rencontrera plus tard. Voilà, ça c'est bien. Il a pas fait son attaque de merde, il fait 7000 sur tout le monde. Du coup, Mystic Cross. Et on lui bourre la gueule. Bien comme il faut. Qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je fais en fait? Ah bah oui, j'ai oublié de lui mettre Raven Slayer, je suis con. Quoi qu'en fait, là, ce que j'aurais pu faire, c'est essayer de faire Purify War Soul avec Lorenta en dernier. Ça aurait peut-être été suffisant. Ouais. Allez, hop. Alors, en plus, il est stone, donc il peut pas esquiver, pareil, il peut rien faire, donc voilà. Là, en fait, c'est grâce à la lance de Lofer, je peux stoner les ennemis, c'est cool. Broken Armor aussi, c'est bien. J'avais oublié qu'il dropait les Broken Armor, tiens. Donc... Il y en avait deux dans sa rade d'XP. On va bientôt finir l'épisode, encore 9 minutes. Donc là, voilà notre machin qu'on frappe. Ok, donc 12 020 XP. Ah, mais vraiment, on se tape un long donjon là. C'est incroyable. Ok, donc là en fait, juste me repérer un peu. Vas-y. Donjon. Voulu l'éviter. J'ai pas réussi à l'éviter. On est encore sur le setup dégueulasse. Voilà, voilà. J'en ai marre. J'en ai marre de me faire des combats en fait là, parce que là, je crois que j'ai eu ma dose là. J'avais eu ma dose en tout cas. Ah, mais vraiment. Ah non, non, mais au bout d'un moment, vous avez juste envie de sortir de ce donjon de merde, franchement. Je crois que si vous allez par là, c'est le boss, en fait. Je viens de dire, je crois... Ah, c'est pas pratique, par contre, les cartes, des fois. C'est pas très lisible. Ah, en fait, là, on va retourner au tout début. Enfin, tout début de cette deuxième partie. Oh là là, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Voilà, merci. Voilà, donc là en fait il y a ça qui est apparu quand vous avez activé les machins. Donc on va aller là. On va aller là. Là il n'y a pas d'ennemis si je me souviens bien.
Voilà, on monte. On continue sur la gauche. On a trois coffres. Alors, non, on veut pas faire ça. En fait, pour ces trucs-là, rester accroupi. Vraiment, rester accroupi. Donc, voilà, Creation Gem. Alors, ça, on va en parler. Putain, mais... Oh. C'est pété de couilles. Timering, on s'en branle. Mais vraiment, quoi. Ouais, je savais pas qu'il fallait rester accroupi, en fait. Et Intercepteur. Intercepteur, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le Creation Gem. L'intercepteur c'est bien, mais ça a 30% de chance de se briser, donc c'est de la merde. Ok, donc du coup... Alors, on a récupéré le Creation Gem. Donc maintenant, on a officiellement pété le jeu. Ouais, le timing, on s'en fout. Donc voilà, donc Creation Gem. Alors, ce que ça fait, c'est que ça modifie ce que vous pouvez transmuter. Donc ces trois-là, pour l'instant, ça donne des trucs de merde. Hein. Mais ce qui nous intéresse. Déjà, ça modifie, ça donne des trucs. Voilà. Déjà, Bark of Dryad, ça fait le Dimension Sleep. Je crois qu'on... Ouais, c'est ça, on voit un Oracle con. Est-ce que j'en ai un de base? Est-ce que je peux en créer un? Non, faut que j'en crée un. Donc, je vais le créer. Donc, c'est pas... Non, c'est pas ma trigger. Oh. Donc, ce que vous voulez, c'est avec ce Manual of Resurrection, vous créez un Oracle con. On va dire Oracle, ce sera plus simple. Voilà. Et avec l'Oricalc, vous créez le Creation Jewel. Et donc le Creation Jewel, on a pété le jeu. C'est simple que ça, c'est qu'on s'est pété. Du moins pour ce stade du jeu, c'est pété. Allez, on va se faire un Dimension Sleep au passage. Dimension Sleep, c'est génial parce que ça vous permet d'éviter tous les combats. Donc là, on met le Creation Jewel maintenant. Et le Dimension Sleep, parce que maintenant j'en ai marre des combats, donc on va les éviter. Donc le Creation Jewel... Avec les broken trucs qu'on a récupéré là, broken blade, etc. On va faire un ring of healing comme ça. Ah, déjà, unicorn horn. Vous obtenez le sceptre unicorn horn. Voilà. Ce sceptre, il va carry jusqu'au chapitre 8. C'est aussi simple que ça. Donc, broken blade. Alors, broken armor, ça permet de faire glare sword. C'est excellent. Broken Spear, ça peut faire Crimson Edge, ça va carrer jusqu'au chapitre 8 aussi. Voilà. Et je crois qu'il y a un truc qui permet d'avoir... Ah, là, j'ai trouvé. Book of Everlasting Life, vous faites des Icicle Sword avec. Voilà. Donc voilà, on a pété le jeu. C'est officiel. Voilà, après, il n'y a rien d'intéressant, c'est des trucs de gemmes. Ça, c'était vraiment les trucs les plus intéressants que je vous ai montré là. Voilà, donc vraiment, voilà. Voilà. Donc maintenant, on a pété le jeu. Parce que, déjà, le Dimension Sleep. Maté l'attaque. Voilà, on passe à 2103 alors qu'on était à 803. C'est pété. À ce stade, c'est pété. Même si l'attaque Trust est de 1, on sent pas les couilles. Hein. La différence d'attaque est tellement élevée que ça compense largement. Et pour le faire, c'est encore pire. Parce qu'on a une arme qui a une attaque de 1200 et qui en plus permet de faire 3 coups. Et cette lance, elle va carry jusqu'à la fin du jeu. Vous pouvez même garder cette lance jusqu'à la fin du jeu, elle sera encore efficace. Hein. Et Unicorn's Horn, c'est pareil, ça va carry jusqu'au chapitre 8. Parce que Unicorn Horn, c'est moins puissant que l'intercepteur. Mais l'intercepteur peut se briser et il permet pas la grande magie. L'Unicorn's Horn ne peut pas se briser et il permet la grande magie. Donc c'est complètement pété. Voilà, maintenant les mages sont pétés. Voilà. Maintenant la classe des mages, elle est pétée. Le Glargard, ça donne toujours des bons trucs. Voilà. Alors, par contre, les archers se font complètement enfler. Parce qu'il n'y a pas d'arc qu'on peut obtenir de cette façon. Du coup, voilà. Maintenant, je vais enlever Janus parce qu'il sert plus à rien. Parce que... Maintenant, là, avec les armes qu'on a, les épéistes sont largement avancés, donc je crois que je vais reprendre Armgrim. Là, de toute façon, ça me permet de faire un peu de level up avec Armgrim. J'ai besoin de faire du level up avec Armgrim. Voilà, donc là, voilà. Voilà.
Non, mais là vraiment on a l'équipement qui carry jusqu'au chapitre 6 8 hein. C'est voilà, on a vraiment pété le jeu là. Voilà, Ring of Learning, ça augmente votre XP. Donc je vais m'en servir pour Arngrim. C'est pas forcément nécessaire d'avoir des bracelets de Zoé pour Arngrim, parce que Arngrim c'est déjà de base un putain de tank. Et il a c'est genre quand je le jouais en équipe principale, il avait toujours, vers la fin, il avait carrément 20 000 points de vie d'avance sur tout le monde. Mais voilà, on a vraiment pété le jeu là. Donc, du coup, là on va aller au point de sauvegarde, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une heure là. Et vraiment, ce donjon est infini. Mais par contre, ça vaut vraiment le coup hein, d'avoir le. Ça, faut vraiment pas le louper, le jeu vous le dit pas qu'il y a ça. Mais vraiment, si vous l'obtenez maintenant, c'est bon. Hein. Vous êtes sûr d'arriver au moins au chapitre 6 sans problème niveau combat. Donc, du coup, on va aller vers la salle du boss, la salle juste avant le boss, il y a un point de sauvegarde. Voilà, donc c'est pas fatigue de se repérer ces cartes. Voilà, donc en fait le Dimension Unstable, voilà, ça rend les ennemis immatériels en fait. Ça... Donc du coup vous les traversez, on s'en fout, et ça déclenche plus les combats, ils vous repèrent plus. Alors, vous êtes comme un fantôme en fait. Voilà, donc là il faut aller par là. Là, on traverse les ennemis, on s'en fout parce qu'on a assez de combats comme ça, c'est bon. Voilà, donc point de sauvegarde, on continuera. Continuera la prochaine fois, mais vraiment voilà, on a pété le jeu avec le Crash and G-Wild, on a pété le jeu. Donc voilà, donc cela, ce tronc de transfert, ça mène au boss. Alors, on va récupérer cet objet d'abord. Ouais, là faites gaffe parce que sinon ça va vous emmener. Tiens, Dancing Sword, je me rappelle même pas de Dancing Sword, je me rappelle même pas de cette technique. C'est quoi cette technique? Je crois que je l'ai pas appris. Je crois que je vais le transformer en autre chose, je l'ai pas appris. C'est un bizarre ça. Ah putain, je suis vraiment pas doué pour esquiver les pièges dans ce jeu, ça me vient. Voilà, parce que les trucs ils servent à rien. Voilà, donc là c'est pour vous téléporter vers le boss. Mais du coup on va s'arrêter là. Allez, salut!